Bonjour ou bonsoir les amis. Alors comme je n'ai pas pu faire de vlog hier suite au temps de merde qu'il a fait parce qu'il a plu et que la qualité de l'image allait être pourrie de ce TFC Union Saint-Gilloise, on va faire un petit débrief. Peut-être que la vidéo sera assez courte parce que bon, c'était un match quand même assez ennuyeux, 0-0. Peu d'occases de chaque côté, on s'est vraiment ennuyé sur ce match. On va dire les joueurs qui ont été bons, les joueurs qui ont été moins bons pour moi, pour le TFC. On commence surtout avec une énorme occasion à un moment donné, vers la 20e minute de l'Union Saint-Gilloise, où Amoura, côté Union Saint-Gilloise, arrive à faire un petit piqué sur Guillaume Rest, sauvé sur la ligne par Moussa Diarra. Et après, il y a un autre joueur de l'Union Saint-Gilloise qui peut quasiment la mettre au fond. Et c'est Vincent Sierrault qui arrive à sauver. Mais là, c'était miraculeux là, que Toulouse ne soit pas mené. Et puis après, bon, le match, la première mi-temps, assez ennuyeuse. Bon, peu d'occases. Beaucoup de fautes de chaque côté. Je trouvais que l'arbitre a donné quelques cartons jaunes au TFC. Mais pas. Voilà, ils en ont donné aussi à l'Union Saint-Gilloise. Mais ils auraient pu en donner plus. Ils auraient pu en donner un peu plus à Saint-Gilloise. Et puis après la seconde période, oh là là, qu'est-ce que c'était ennuyeux la seconde période. Toulouse a eu quasiment aucune frappe. Je ne me souviens pas que le TFC ait eu quelques frappes par-ci par-là. Et puis après l'Union Saint-Gilloise, ouf qu'ils ont eu des occasions, l'Union Saint-Gilloise. Il y a eu une parade à un moment donné de Guillaume Rest qui a sauvé un petit peu le TFC du match nul. Après, il y a eu énormément de maladresse de l'Union Saint-Gilloise qui ont eu des frappes complètement au-dessus. Bon, après, le 0-0 semble logique, même si je pense que l'Union Saint-Gilloise peut avoir beaucoup de regrets. Beaucoup de regrets parce que je pense que Toulouse s'en sort. Voilà, Toulouse, quoi qu'il arrive, sera européen et sera soit en Ligue Europa, en 16e de Ligue Europa, ou en 16e de Conference League. On verra ça face à l'ASC. On sait que s'ils prennent un point à l'ASC, ils seront qualifiés pour les 16e de la Ligue Europa. Mais bon, voilà, c'était un match vraiment, vraiment, vraiment ennuyant. Les tops de ce match, côté toulousain, ouais, je dirais quand même Vincent Sierrault. Sierrault qui a fait un excellent match au milieu de terrain, surtout qui sauve un but, hein, il faut le dire, il sauve un but. J'ai trouvé bon aussi Diarra. Diarra qui a été solide aussi en défense. Et puis après, en attaque, je vais m'y être Donum. Parce que Donum, il a essayé des choses. Voilà, je trouvais que Donum a fait aussi un bon match. Et puis après, par contre, ceux qui ont été assez décevants, Caceres, qu'on a moyennement vu. Dalalinga, j'en attendais beaucoup mieux. Et voilà, ça n'a pas été terrible. Manque de passe et tout ça. Voilà, bon, Toulouse prend un bon point et on verra par la suite. Et en espérant vous faire un vlog pour les 16e, que ce soit en Conference League ou en Europa League. Ciao les amis.